peut-être vous vous disiez, enfin on peut commencer. Et voilà, je suis devenu un chat. Comment cela se fait-il? Je ne sais pas. Non. Est-ce que vous avez déjà rencontré un chat qui sait pourquoi il est un chat? Ah, soyons raisonnables. Et heureusement, je suis le chat le plus raisonnable, voire même scientifiquement objectif de tous les chats qui ont jamais existé. Je suis le chat de Schrödinger. Erwin Schrödinger? Là, oui, là, oui. Bon, j'ai beau à faire tout ce que je peux pour nous libérer de l'obscurantisme, et je me retrouve alors devant le public de semi-incultes. Ne nous laissons pas abattre, hein? Moi aussi, j'ai commencé comme chat de gouttière. Et voilà, regardez où j'en suis aujourd'hui. Ah! Ah! Tout le monde peut avancer vers la lumière. Avec moi, dans ce coffre, il y avait un mécanisme dont on pouvait prédire s'il dégagerait ou ne dégagerait pas de l'acide prussique délétère. Autant que moi, je suis dans le coffre avec ce mécanisme, le seul énoncé scientifique correct en ce qui me concerne est que je suis à la fois mort et vivant. Les fichiers de pornographie pédophile, le tout protégé par la sévère juridiction suédoise. Il a tout dévoilé. Je lui indique qu'il y a une mythe en train de se noyer dans son cappuccino. Ses propres recherches scientifiques sur l'ADN génétique et sur l'impact que l'ADN génétique a sur le fonctionnement des cerveaux. Il m'a parlé de sa passion pour les mathématiques, la politique, l'histoire et l'informatique. Comment y avait-elle réussi? Personne ne sait. Mais le boulot avait entièrement disparu. Ici, pendant 60 ans, se dressait un deuxième boulot. Ce coffre est resté des semaines dans le jardin. Ça a pris un peu de temps pour Sébastien pour remarquer que le boulot était disparu. Elle tâtonne, elle trébuche dans une sorte de tangage contrôlé. Elle va de l'avant avec son corps. L'œuvre sa vie, le corps déchiffré, le cahier. Et il va dans la chambre de Tilda, mais il voit qu'elle n'est pas dans son lit. Il pense qu'elle dort sans doute alors dans son coffre au fond du jardin. Il sort de la maison, mais il voit que le coffre a disparu. La clôture du jardin est ouverte. Et dans la neige, il voit les traces du coffre. Il les suit, mais